Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous traitons le sujet « Comment écrire en langue étrangère ?» C'est un sujet complexe. Alors, pour simplifier, nous avons élaboré une théorie. Ça s'appelle la théorie du Borsch. Nous nous inspirons de nos propres exemples. Car nous écrivons en langue française. Alors que nous venons de loin, cette vidéo est l'occasion d'évoquer les questions suivantes. Comment la langue étrangère aide à déplacer, à déranger l'expression française? Comment les failles peuvent-elles être les îlots de liberté? Comment les expressions toutes faites nous embrouillent? Nous avons déjà des expressions slaves. Écraser les oignons, le raisin est acide, le chou a fermenté. Alors, pour faire un borsch, il vous faut une carotte, un oignon. Et une betterave. Si Gilles Deleuze nous parlait de littérature mineure en langue majeure, nous pouvons alors parler de version mineure du borsch majeur. Ou du borsch majeur avec des légumes mineurs. Je ne sais pas si certains souvenirs sont à moi ou aux autres. Peut-être que je ne l'ai jamais vu manger du borsch en mettant la casserole sur le réfrigérateur. Je le vois pourtant dans notre cuisine. Je vois une fenêtre, une cuisinière à gaz, des rideaux avec des tournesols qui bougent à cause du vent.